is the only thing that makes us feel alive. Les cours ont été arrêtés, les enfants étaient à la maison. Quand l'administration a décidé de leur envoyer des épreuves à traiter à la maison, et c'est au retour que ces épreuves-là ont été corrigées sous forme de TD avec les enfants. Je pense que les seules difficultés qu'il y a eu en ce moment, c'était que le niveau des enfants a baissé un peu. Parce qu'ils étaient plus au contact de leur cahier, comme vous les connaissez, les enfants. Et ça, c'est tellement eu quelques problèmes sur les résultats de fin d'année, parce que nous, les objectifs qu'on s'était fixés comme taux de succès, on ne les a pas atteints. Lorsqu'on était confinés, les cours qu'on nous avait donnés étaient bien assimilés car nous étions à la maison. Nous n'avons plus d'affaires, nous prenons notre carré de maison. Et les exercices de maison étaient envoyés par Web École aussi, sur lequel le directeur envoie les PDF pour pouvoir traiter votre. Ce n'était pas mal. Quand il y avait nos cahiers là, nos livres pour qu'on étudie et pour qu'on travaille bien ça. Après, il y a quelques heures où on s'amuse un peu, on regarde la télé, après on commence le devoir et autre. J'ai vécu la pandémie très, très, très mal. Parce que nous étions à la maison, j'avais la télé, j'avais le téléphone, j'avais tout. Mais j'avais même pas les cahiers. Je n'apprenais pas vraiment mes cours. Ce qui a fait à la reprise, j'avais une flèche sur le dos. Mais je me suis ressaisi quand j'ai appris mes leçons. Les parents n'ont pas réagi comme il faut parce que c'était une période où il y avait une date d'échéance de paiement des scolarités et ils ne sont pas venus. Donc il a fallu qu'à la reprise, qu'on fasse des renvois sur renvois avant de pouvoir récupérer quelques fonds. Après l'ouverture des écoles, lorsqu'on a repris la rentrée, j'ai vu une documentation, une diminution. Donc quand on était à la maison, j'avais mon cahier, j'apprenais mes cours, donc j'ai bien assimilé. Et il y avait une diminution car on n'était pas à l'école, donc pour pouvoir mieux comprendre, le professeur t'expliquait pas qu'on n'était pas à l'école, donc pour pouvoir mieux comprendre ça. Je suggère simplement que les autorités nous aident à organiser simplement les gestes barrières et qu'on continue calmement les cours. Parce que déjà, le niveau n'est pas bon. Le niveau des enfants, c'est pas ça. Donc, qu'on nous laisse continuer les cours en suivant avec nous les mesures barrières simplement.